Ah merde, pardon. Arrête, t'es nerveux comme ça. Bonjour à toutes et à tous, je suis Esmé. Attends, ils sont combien d'anglais en face là? 4. Ah putain, mais c'est pas possible. I don't understand very much. Je cours. Aïe. Hey, salut à tous et à toutes, moi c'est Esmé et on se retrouve tous ensemble dans une nouvelle partie de ce Let's Play consacré à Civilization 5 en compagnie des Mongols. On va directement reprendre ce qu'on a laissé de côté la dernière fois, donc on était resté sur la création de cette religion là. On savait pas trop ce qu'on voulait prendre, mais j'ai un peu réfléchi et vu les choix qui restent à notre disposition, bah, ça va pas vraiment être compliqué. On va partir sur Dim pour le plus 1 d'or par tour. Par groupe de 4 adeptes pour cette religion. Et un petit boost en termes de croissance de population dans les villes quand nos cités ne sont pas en guerre. Donc ça va nous être utile en début de partie et au fur et à mesure des guerres qu'on va effectuer dans la partie, les entre-guerres. Allez, on va fonder ça. Oui, je vais fonder le taoïsme. Ah, merde beaucoup. De toute manière, en termes de religion, on n'a presque aucune chance de la propager outre nos propres cités, puisque la Russie a créé la sienne, Venise a créé la sienne, et je crois même que l'Autriche a créé... Ah non, l'Autriche n'en a pas créé, autant pour moi. Mais de toute façon, ça va être très dur, et je vais pas chercher spécialement à la propager, puisque la religion de Venise est plus intéressante, si je me souviens bien. Oui, on peut acquérir des pagodes qui est toujours un bâtiment utile à avoir dans ces villes. Alors, en ce qui concerne la construction, on vient d'avoir notre collège national, donc il va falloir faire un peu grandir toutes ces villes. Alors, on va passer à la vue détaillée. Et on vient de finir le grenier. Où on en est en termes de bonheur? On est bien. Alors, on va enchaîner la caserne. Je pense pas qu'on ait besoin d'ouvriers supplémentaires. Non, c'est déjà en train de bosser dans tous les sens, on en a 4. Un supplémentaire, ce serait pas trop mal, mais on n'a pas beaucoup de prod là-dedans. Ça, c'est dommage. On peut passer sur un cargo ship. Qu'est-ce qu'on a comme option en termes de route commerciale? Mais je balique Almaty, essentiellement avec des cités-états. Ouais. On va rester comme ça, de toute façon, on en aura besoin de la caserne dans toutes nos cités pour pouvoir recruter nos unités. Allez, on enchaîne, tour suivant. Et avec toi, qu'est-ce qu'on faisait? Oui, on était en train d'explorer pour voir si on pouvait pas passer par le haut. Le plat le plus occupé du monde. Bah décidément, on n'aime pas lire, on bouffe pas, on n'aime pas nos plus occupés chez nous. C'est un peu le merdier dans nos villes. Ouais, ça va venir, c'est toujours comme ça au début. On peut pas lutter contre la puissance des IA de toute manière. Alors, on va finir notre caravane ici, après on enchaîne sur la caserne et les arciers sur char qui nous permettront d'évoluer dans notre unité unique, là, les Keshiks. Allez, tour suivant. Le drame n'est rien de et plus. Et on vient de débloquer drame et poésie. Ce qui nous est pas forcément utile dans l'immédiat. Mais il faut bien passer par là. Puisqu'en termes de technologie, on a fait une ligne droite directe vers éducation. Donc voilà, il faut qu'on récupère tout ça au passage. Éducation qui nous permettra d'avoir et les universités et les accords de recherche qui sont très importants à avoir en divinité. Même dans tous les types de difficultés que vous faites d'ailleurs. Ah, il en a avoir un petit passage là. Kenini ! Trop obligé de faire le tour. Et alors il a fini ça, est-ce qu'on travaille cette case là? Oui, on la travaille. Du coup... faudra qu'on récupère cette case là une fois que c'est terminé ici pour pouvoir mettre au moins une mine. Parce que là il n'y a pas beaucoup de production. On a un nouveau citoyen dans deux tours qu'on va pouvoir loquer ici. Parce que là c'est trop long. 85 tours. Qu'est-ce qu'elle nous fait la miss là? C'est vrai qu'on est quand même vachement proche, hein, mais bon, normalement, on devrait être tranquille. Hein. Je vais passer une carrière là. Une carrière là aussi, du coup. Ouais, alors on va commencer par celle-ci parce qu'elle est plus proche. Alors, les routes commerciales, la patte. Karakorum, Zanzibar. On n'en a pas une avec une cité, si là. Karakorum, Rostov. Voilà, vous voyez, chez les Russes.
Ça nous fait toujours 5 points de science par tour en plus. Hop. Puis les IA, ils aiment bien qu'on leur balance des routes commerciales inversement. En général, quand vous voyez des routes commerciales venir vers chez vous, il est très rare qu'ils vous déclarent la guerre dans l'immédiat. Parce qu'ils perdent eux aussi hein, leur route commerciale s'ils font ça. Boum, 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 boum. Ouais, elle fait que se balader normalement. Allez, on continue notre tour là. Il est toujours là, ce Scant Barbare. On a toujours pas de quête pour le faire. Non. Eh ben on va attendre un peu. L'économie c'est pas notre fort hein, non plus. Mais au moins on perd plus d'argent maintenant. On a embarquement. Ouais, faut que je fasse tout le tour donc on va. Et on peut pas le ramener de toute manière. Encore des barbares là. Plus un de population à Bejbalik. Alors, 14 tours pour avoir notre citoyen. On va le mettre là pour gagner en prod. Et c'est bête parce que j'aimerais bien pouvoir travailler ça. Mais ça fait 41 tours. J'avais beaucoup. C'est un peu compliqué. On va rester comme ça. Tant pis pour la production. Dans l'immédiat, c'est pas dérangeant. On aura tout le temps d'ajuster ça au fur et à mesure. Allez, tour suivant. Mais j'ai un petit reste de mon parler nain du let's play consacré à Total War Warhammer, je suis désolé. Surtout que j'ai pas mal de travaux sur le feu en ce moment là, entre bah, Total War Warhammer et Overwatch aussi, avec, je joue avec des amis. Donc, vous devriez voir pop quelques vidéos. Incessamment sous peu, pardon, sur la chaîne YouTube. Alors, on a gagné des cheveux, on a gagné de l'argent, il va falloir améliorer tout ça, c'est important. Alors, deux de nourriture, un de production. Bon, on va attendre le nouveau citoyen pour le mettre là. Finalement, un autre ouvrier, ça nous serait utile. Oui, on a vu qu'il y avait des bateaux. On continue d'explorer ça. À Zanzibar, c'est le cauchemar. Il y a des barbares qui viennent qui foutent le dawa. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on travaille sur notre économie parce que il va arriver un moment où on va devoir demander aux IA de se déclarer la guerre entre elles parce que je vois qu'ils sont assez assez pisse entre eux. Bon, si ce n'est cette IA qui s'est fait sauter la tronche dès les premiers épisodes. Mais on n'a pas encore la connaissance donc c'est pour ça que je balade. Cette galère à droite à gauche pour essayer de les trouver. Alors, citoyen ici, ça grandit bien. On va le mettre un peu en production. On va aller améliorer l'argent là. On peut toujours vendre l'argent ici, mais il a rien le pauvre homme. Eh ben alors, il faut faire plus de pizza. Pour que je puisse te vendre mon argent. Mais non. Tant pis. Tour suivant. Il veut pas se barrer lui. Sortez de mon jardin de fumier. Catherine n'a plus d'or partout en inversé. Elle veut plus d'argent. Здравствуй. Versant plus de quoi? Ah non, c'est du fer. Là, on va lui vendre directement. Pour l'instant, ah, elle en veut plus. Ah non, c'était bien de l'argent. Elle a dû en récupérer quelque part. Oh non. Je vois pas où. Enfin c'est pas grave, tiens, est-ce qu'elle veut notre fer elle? Scott. Ça s'écoute, prends les fers. Non? Tant pis. Bon, bah plus un de pop à tour fan. 23 tours ça fait un peu long. 12 tours c'est très bien, on va améliorer ça juste après. Ça en fait des choses à améliorer. Hein. On manque de main d'œuvre. Et on manque pas de travail surtout. Hein. Non mais reste là toi. Ah, panique, panique, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau, on l'a vu. Ça fait 3 tours qu'il est là et qu'il bloque nos cases d'ailleurs. Un peu pénible. Libre passage. Alors non, ça m'intéresse pas des masses. Là, ça sert à rien d'y aller. Ah, j'espère qu'on peut passer là-haut. Hein. Ah, qu'on n'est pas bloqué par de la glace ici. Bah on verra ça, hein. On verra bien d'ici un ou deux tours.
Plus un de peuple dans notre capitale, ça c'est parfait, donc ça fait 13 tours pour qu'elle grandisse, et je pense que c'est ce qu'on va faire, ça en gagnant en production. Ça porte bien notre capitale, ça va être une très très bonne ville sur le long terme. Celle-ci on savait qu'elle aurait un départ un peu catastrophique en termes de production, mais bon, ça va le faire. Non, toujours pas. Je veux pas que toi tu viennes chez moi. Eh oui, on a vu le bateau USB. Ah, je crois qu'on est bloqué. Point, 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 point. On va devoir faire le tour et encore, c'est même pas dit. Est-ce qu'il nous donnerait le libre passage maintenant? Salut. Toujours pas. Mais mon dieu, qu'est-ce que tu fous? Oh là. Bon, ça on a fini. On va aller acheter la mine ici. Je peux pas, génial! Manque un peu de sous. Ce serait bien de rencontrer de nouvelles IA là, pour faire du commerce avec eux. Fin de votre âge d'or, I know. Allez. Elle machine a plus besoin de notre aide. Oh là là, mais il m'embête lui! Ça embête. C'est embêtant. Bon, on va le ramener ici. On n'a pas vraiment le choix. Et toi, du coup... Déjà, on va changer ça. Les 5 tours avant le nouveau citoyen. Qu'on mettra ici. Et toi, et toi, et toi, et toi. Et moi, et moi, et moi. Eh ben, tu vas aller faire la carrière qu'on avait prévu de faire ici. Hop. On est loin de chevalerie. Ah oui. C'est bon, on a le temps encore de faire nouvelle ère, on a le temps encore de faire des arcées sur Charles. Hein. Il va falloir d'abord qu'on trouve éducation et ensuite qu'on aille chercher chevalerie. D'où le Zuvo. Ce qui te concerne, c'est pas toi que j'ai envoyé là-haut là ? Ah non, c'en est un autre ça. Attendez, 1, 2, 3, 4, 12. Donc toi tu vas là, oui. Attends, je m'y perds un peu. Et toi... 2 tours, donc ça sert à rien de t'amener là-haut. On va te ramener dans cette direction générale de toute façon. Les frontières se sont étendues. Tour suivant. Ah mais c'est pas possible. C'est le rendez-vous international des barbares dans le coin. Oui, va par là. D'où le Zuvo. Donc vous voyez, on a créé une religion, mais bon, elle commence déjà à spammer ses émissaires à droite à gauche. Ça va être très très dur de la maintenir, de toute façon. Au pire des cas, c'est pas bien grave. Hein. Puisque... Notre religion... C'est pas ça quoi, il y a beaucoup mieux. Voilà, il va faire les chevaux. Du coup, on a gagné 2 productions ici. On va avoir des chevaux qu'on va pouvoir revendre. Oui, il fait ça. Où est-ce qu'on va mettre notre prochain citoyen là? Ah, on a déjà un là qui sert à rien. Eh bien c'est parfait, tu vas aller me faire une ferme dans le coin. On a quoi de Q-Dop ici? Il reste pas de chevaux. On verra ça au moment venu. Marie-Thérèse a achevé la construction de l'Alhambra. C'est bien! Construisez des merveilles pour moi plus tard. Ah bah, une Ricone d'Endolo aussi. Et on a récupéré notre premier espion. Alors... Oui, mais Esme, comment tu gères tes espions dans Civilization 5? Eh bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Moi, en général, ce que je fais... C'est que je regarde qui c'est qui est le tech leader, donc le leader en technologie. Alors là, c'est un joueur inconnu, ça tombe bien, donc on va pouvoir spy sur les 3 factions qui est autour de nous. Et ce que je fais, c'est que je clique là, ça me permet de voir quelle est la population, quelle est la ville avec la population la plus élevée. Et vous avez énormément de chances de gagner en rapidité en vol de technologie, plus les villes ont d'habitants en leur sein. Donc bah voilà, bah là, on va tout simplement déplacer sur Vienne, espion, et on verra ce que ça donne. Alors, plus un de pop à Béjbalik, 25 tours,
Mais on gagnera en production. Ouais. Et on va faire ça. Attends, je vais le déplacer là. Ça fait 17 tours. Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, l'économie, on est vraiment en galère. Hein. Mais bon. Est-ce qu'on... ferait pas un navire marchand ici? On a vu qu'il y avait pas mal de galères barbares là, qui se baladaient. Donc je pense que... à faire une caravane, c'est encore la possibilité d'avoir une route commerciale. Et en début de partie, c'est très important. Au moins pour les points de science. Espion recruté, mais je vais aller que ça on a fait. Nouvelle ère, une merveille, Kenrico, construit pour nous. Tout le juif. Alors les chevaux, on va commencer à les garder. On va pas les vendre tout de suite. Tout simplement pour faire des arciers, des chariots là. Qui nous permettront d'être améliorés dans notre unité unique. Alors, on va le balader par là. On va lui donner sa promotion. Ça ressemble à quoi ici? C'est essentiellement du terrain découvert. Hein. Ouais. Dégagé, bah oui, c'est sa précision. Hein. Toi, tu vas me faire une ferme, donc on va gagner en prod là. Et c'est bon, on a un deuxième bâtiment de pousser derrière. Chevaux à Marie-Thérèse, celle-là on va les garder. De toute façon, c'en est qu'un. Non, je veux pas ton libre passage. Ah, on a gagné le cacao, donc il va falloir aller l'améliorer. De toute façon, il te reste deux tours ici, donc je pense que c'est ce que tu vas faire toi. Je t'ai déplacé là, ça fait toujours une pièce d'or en plus. Hop, tour suivant. Non, je garde mes chevaux. Maintenant. Les mathématiques. On peut en vendre un. Parce que là, on va récupérer combien? On va récupérer 4, en fait, si on va les vendre. Ça sert à rien de tous les garder. On n'en fera pas autant. Et puisqu'elle les achète, et qu'on court un peu après l'argent... c'est une bonne chose. Plus un de papa tour fan justement. Alors, 28 tours avant d'avoir un citoyen, c'est un peu long. Mettre ça là, 14 tours, hein, du coup il faudra faire une ferme ici. Toujours personne qui achète mon fer là. Pourtant avec une barre de fer, tu peux tout faire. Non. Et lui là. Ah mais lui, il est ruiné, mais c'est un truc de fou. Zélabanique. Oula. Est-ce que j'ai un peu par là? Au secours. Ah, toi tu vas rester là, parfait. Tac. Hop, tour suivant. Ah. Ça c'est bien. Rebooste un peu notre économie là. C'est pas dire mais on gagne 2 pièces d'or par tour. On va attaquer lui pour l'expérience. Hop, si c'est que ça. Allez, viens là, toi. Tu peux toujours nous aider. On a récupéré une source d'argent supplémentaire, mais on n'a toujours pas de rencontré d'autres IA à qui on peut la vendre. Ah, il nous conseille de faire une route, oui, c'est intéressant. Combien de tours il te reste? 6. On va plutôt aller faire la ferme là-haut, pour continuer à faire progresser nos villes. Et non, mais Smith, tu racontes des conneries, il faut améliorer le cacao, effectivement. Ça nous fera toujours un peu de bonheur, et puis c'est bon, hein, pour l'instant on est bien. Ça fait toujours de... ça fait toujours de l'expérience pour la galère. C'est la galère. Toi tu viens là. Et t'es pas à portée. On va te garder là pour l'instant. Tac. Ouais. Hop, viens me chercher le cacao. Construction, du coup, qu'est-ce qu'on vient de finir ici? Le grenier. On n'a pas besoin d'un colisée dans l'immédiat, ça nous apporterait un point de bonheur, un point de prod. Et on va faire notre caserne. Et notre archer surcharge juste derrière. On va essayer d'équilibrer la production militaire entre les villes pour pouvoir continuer à les évoluer correctement. Plus un de population ici. Où est-ce qu'il s'est mis? 17 tours. Ouais. 17 tours ou 14 tours. On gagnera un peu de prod. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Oui, ça change quelque chose. On va rester comme ça. Hop, attention. Ah, 6 d'or par tour. Et je sais que j'y perds, que c'est pas un bon deal, mais il est tellement pauvre. J'ai tellement de sources d'argent à récupérer. On va essayer de récupérer le libre passage. Ah, parfait. Nickel. Et groupe embarqué, hein, évidemment, sur une sur un bateau corps à corps. Bon, il m'embête, lui, hein.
Ça comme ça. On va le réparer et puis comme on a récupéré le libre passage avec Enrico là, on va essayer de faire le tour. Eh ouais, ça c'était prévu. Il va aller racheter le Matis. Mais c'est bien, ça donnera peut-être une raison aux Russes pour lui déclarer la guerre. Hein. Ceux qui sont alliés avec eux. Là, on peut voir qu'il a son marchand là qui lui permet d'acheter une cité-état directement. Unité en attente d'ordre. Ah ça c'est bien parce qu'il me semble que c'est un émissaire russe. Ouais, ouais, donc du coup on va pouvoir lui rendre l'unité qui va nous donner un sacré boost avec, avec Catherine. Ah super, hein. Donc on a libéré une partie de leurs citoyens captifs. Nickel. Hein. Ça c'est cool parce que là maintenant je pense qu'on est sûr qu'elle nous déclarera pas la guerre et qu'on a tout le temps pour nous préparer et nous lui déclarer la guerre ensuite. C'est fou Orba. Allez hop là on va faire une ferme là, donc on va le décaler ici. Il en est où là? 4 tours. 4 tours. Tour suivant. Accord de recherche. Ah bah oui on va accepter. Ah nos PO durement gagnés. Là ça va un peu mieux. Ou pas. Ou pas. J'étais à plus 8 et là je suis à plus 2. Hop on va raser ça. Histoire que ça nous embête pas trop. Alors, on a récupéré une nouvelle caravane. Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible, Karakorum Almaty? Ah, mais c'est bien, ouais, bah du coup, il vient de l'acheter, là, comme on peut voir. Allez, ça nous donne une opportunité de gagner un peu de science en plus, surtout des PO, parce qu'on est à la rue. Et en ce qui te concerne, Rostov, précédente, parfait. Tour suivant. Cette offerte ne sera valide pour tant de temps. Oui, on va accepter, pas de problème. Il n'y a pas de raison. Alors, pas de libre passage, mais un accord de recherche, oui. Ce qui nous laisse littéralement à 27 pièces d'or. Alors qu'on avait réussi à se refaire un peu la pomme, mais là, bon, c'est pas grave. C'est dans notre intérêt, hein. Deux accords de recherche, ça vaut énormément de science. Je peux aller dans la ville. Hop. Elle veut toujours pas notre acheter notre fille. Tu veux pas de fille, Lio? Toi, du fille. Salut. Ah, lui il en achète. On va le vendre. L'offerte ne sera valide pour tant de temps. Ça nous intéresse absolument pas de le garder, autant qu'il nous rapporte un peu un petit quelque chose. Et je pense qu'on est pas mal et que c'est le moment parfait pour faire une petite coupure. Alors je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Laissez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la quête du Graal, ça serait encore mieux. Moi en attendant, je vous retrouve dans un nouvel épisode. A très bientôt.